Et salut à tous, c'est Tito Goflet, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nouvelle vidéo, vidéo siège, nous sommes contre Suspense. Ok, nous sommes contre Origin et Nefarious 2.0, donc deux guilds dans le G3, siège intéressant. J'espère en tout cas que cette vidéo te plaira, si c'est le cas, eh bien n'hésite pas à t'abonner, un petit pouce bleu. Et nous, on est directement parti avec les premières offenses. Allez, offense numéro 1, on est contre la Dev de Guts, Siri, Vritra et Shir. On va partir sur une offense Bruiser, Delphoi, Shaman et Jultan. Donc Jultan triple revenge, avec à gauche de réduction light, à droite on a mis un petit peu de reflect damage. On a la Delphoi que j'ai un petit peu slow, j'ai pas envie qu'elle soit aussi rapide qu'elle l'est d'habitude. Sandraise, un peu plus tanky, réduction d'arc à gauche, à droite on a mis la recovery skill 3. Et le chaman, comme d'habitude, vieux Will, bien tanky, à gauche dégâts sur dark, à droite et damage skill 2. Objectif, tuer dans la mesure du possible la série d'arc le plus vite possible. Et puis on ira sur Eshir, on terminera par Vritra. Alors du coup, c'est très rapide en face. Ah, ça on espère aussi. Mais heureusement, on n'a pas réussi à se faire cette zone d'espère ici. Et du coup, ça nous met plutôt bien parce qu'on peut du coup, on peut cleanse. Hop là, on va juste mettre un skill 1 ici, voilà. Et bah vu que le break def est là, on va aller taper directement là-dessus. Voilà, on one shot. C'est trop fort. Oh les dégâts, c'est n'importe quoi. What the fuck. On va juste mettre un slow ici. Oh les dégâts de chaman. Non, c'est n'importe quoi. Mais écoutez, je vais juste aller tuer le chien. Hein. Oh là 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 là, c'est incroyable. Franchement, c'est une folie. Je vais juste mettre un slow là aussi. On va y taper là à nouveau. Voilà. Il est mort, parfait. Là, on fait un skill 2 sans break def, mais on met 17 000 au KLM. Ok, bah écoute, c'est gagné. Allez, offense numéro 2, Vritra, Eshir, Siri Dark à nouveau. On va y aller avec la Myriam, Croa, Miyang. Objectif one shot, Siri Dark. On récupère la CD, on va sur Eshir et on termine par Vritra. Croa meurt cette Swift. Avec à gauche, réduction light. À droite, on a mis du speed up effect. Myriam qui joue en dernière en Swift Shield. À gauche, réduction light. Et à droite, speed up effect. Et enfin, la Miyang en Swift, full knocker. Avec comme artefact à gauche, dégâts sur Dark. Et à droite, multi. Objectif cleave. Du coup, on joue premier. Ah, c'est two off wheel. Ok. On va skill 3 du coup. Hop, maintenant directement. Faire un skill 1 sur la série. On va faire le skill 2. Et on va essayer de tuer. Hop, directement la série. Ok, il y a une réduction. Du coup, elle tank. Et c'est en despair. Du coup, normalement, on devrait la perdre. Ah, ce stade-là, normalement, on peut pas gagner. Ouais. On va pouvoir se heal. Le trap a bien fonctionné du coup. En fait, quelqu'un avait perdu dessus et je voyais qu'il était assez lent. Et du coup, je me disais pas que ça pouvait tanker potentiellement la Miyang. Ok, bon, c'est pas grave. C'est pas grave. À ce stade-là, on peut plus revenir. Malheureusement, le strip nous met trop dans le mal. On va aller tuer ça, mais je crois plus là parce qu'on va perdre notre Myriam. Et si on perd la Myriam, on peut plus gagner. Alors attends. Peut-être qu'on peut encore, mais c'est chaud. On a le heal néanmoins. Peut-être qu'on peut encore gagner. Peut-être qu'on peut encore gagner. Je crois pas, mais bon, on sait jamais. Si on avait à mettre des stuns, je vais tenter le stun. Ok, wait. On va y taper là, du coup, ça a l'air d'être plutôt offensif. Ah, non, 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 non. Pas comme ça, casse, s'il vous plaît. Ok, heureusement qu'on met les stuns. Ok, est-ce qu'on peut tuer ou pas? Oh, wait. Ok, il y a moyen qu'on gagne encore. Si on s'y prend pas qu'à ce fois. J'ai skill up ma Myriam juste avant le combat, les gars. Si j'avais pas skill up, je pense qu'on perdait. Oh, je pensais pas qu'on gagnerait ça. Wow. Ok. Bon, cette offense a des limites. Hein. Forcément, si on n'a pas l'info, on peut se faire tanker. Et c'est ce qui s'est passé ici. Petite réduction haut. En vrai, ils savent les offenses. Là. Du coup, ils mettent la petite réduction là où il faut. Ils ont raison. Bon, force numéro 3, encore une Vritra et Shir Siri Dark côté Origin. J'hésitais longuement entre prendre Galion ou Miyang avec Shilling Chris parce qu'en fait ils font beaucoup d'off wheel et beaucoup de Nemesis Trap. Donc je pense que je vais prendre un Galion. Je préfère Miyang quand même pour tuer Siri à l'open et puis derrière on a un peu de Tussain contre de Vritra. Mais vu les circonstances, je pense que c'est le mieux de jouer Galion ici. Shilling du coup en Swift Wheel avec de multi à gauche à droite. Galion en Swift Shield avec à gauche, Hit Up Effect à droite pareil. Et une Chris full knocker en Swift Wheel avec à gauche dégâts sur dark et à droite hit up effect. Objectif cleave. Voilà,
Donc c'est full off wheel. Donc on met les break def. Et là, qu'est-ce qu'on one shot en fait? On one shot la série, j'imagine. Ou on va sur le Eshir. Ouais, sur la série. Puis là, on va aller sur le Vritra. 115 000. C'est insane, les dégâts sont incroyables. Et là, normalement, bah, on a Shilling qui termine tranquillement. Hop là. Allez, offense numéro 4, série Dark, Vigor, Misty. On a une info que c'est full of wheel. Du coup, bah, je vais y aller avec Galion, Bernard, Shilling Light. Ah, je vais pas me prendre la tête. Bernard, oh, bon, ça te suffit. J'ai quand même mis du taux crit pour qu'il ait un peu de dégâts. On a Galion, on vit au wheel. J'ai quand même mis des dégâts sur Light à gauche. À droite, j'ai mis du crit damage skill 2. On est capé à accuracy. Et à Shilling Light, full knocker. Au niveau des artefacts, à gauche, à droite, tout ce qui peut augmenter les dégâts sur son skill 2. Objectif, cleave. Allez, du coup, on out speed. Hop là. On met les break def. On espère mettre les break def. On met les break def. Et normalement, on devrait tout tuer. Voilà. Alors, force numéro 5, Sylvia, Brita, Tessarion. On va y aller avec une Tessarion, Riley et gang. Il y a des chances qu'on perde. Pourquoi? Parce que si cette défense, c'est la Sylvia qui joue au last, il y a moyen qu'on se fasse assez facilement burst. Donc, il va falloir faire attention à ça. Nous, l'objectif, c'est de tuer la Sylvia en première. Il ira sur Tessarion et on terminera par Brita. Brita qui ira full focus le Tessarion. Donc, en gros, cette défense est un contre à cette offense en soi. Riley est runé en vieux wheel. Avec à gauche, réduction feu. À droite, on a mis de la recovery skill 3. On a le Egang en despair wheel. Avec à gauche, réduction haut. Et à droite, on a mis de la cuirassie skill 2 et on a Tessarion en vieux wheel avec comme artefact à gauche réduction feu et à droite on a mis du cri damage skill 1. Allez, c'est parti. Alors, du coup, ouais, Brita qui joue première, tu vois, et du coup ça passe haute. T'as vu ou pas? T'as vu ou pas? Si là j'avais pris le break dev, j'avais perdu. Ok, je le savais, j'en étais certain de ce speed tuning. J'étais certain, les gars, j'en étais sûr et certain. Bon, normalement, on devrait être fine. Et bien, normalement, si ça pète les plombs, on peut toujours perdre. Voilà. En train de dire, voilà, donc c'est ce que j'étais en train de dire. Ça pète les plombs pour encore perdre. Ouais, ok, bah je vais perdre. Non, aïe 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 aïe. Il y a l'oblivion, ça meurt du dot prochain tour, je vais aller là-dessus directement. Là, je vais perdre mon mob. Oh là 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 là. Bon, en vrai de vrai, hein, no joke. Je la perds, c'est legit, mais en vrai, passe mytho, au niveau des procs, ça y va game en face. En fait, j'ai plus de dégâts, même s'il est là, et que je peux plus tuer, là, je pense. Je vais juste mourir. On va y tenter le 2v. Oh, j'ai du despair aussi. Regarde, oh là 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 là. Ah ouais, de proc. On va essayer de s'en sortir, les gars. Ça va être dur, mais on va essayer. En vrai, il y a moyen, hein, mais ça va être long. Ça va être long. Juste que le truc là, voilà. Il faut juste que la Brita arrête de juste proc tous les tours, comme elle fait là tout à l'heure. Et alors, peut-être on peut le faire. La Brita, elle est motivée, hein. Regarde-moi ça. Sur le cul. Mais. Elle joue trop peu par tour. Genre, il n'y a pas de souci, les gars. Ok. Moi, je peux pas du despair ou pas, non? Non. Je sais ce qu'il a. Hein. Oh là là là. Moi, j'ai pas un seul pro violent. En fait, il m'énerve. C'est que là, j'arrive pas à pro violent. Hein. Je pense qu'on peut le faire, mais il faut juste que ça arrête de proc. Voilà, juste si ça arrête de proc. Pourquoi pas. Je vais faire un skill 2 ici. Ok, là, je vais faire un skill 4. Je vais garder mon skill 2. Mon skill 3, pardon, pour le cleanse. En fait, si on suit le Tessarion, normalement, on devrait être fine. Pour des scènes d'espoir, non. Hop, là, on va le faire. Ça va donner notre TB. Skill 4. Ok, normalement, on devrait gagner. C'est un peu long. Est-ce qu'il a des dégâts là-dessus? On tue même pas. Pas de grid en faisant ça. Bon. Normalement, c'est fine.
Allez, offense numéro 6, offense fun, on est contre une Giselle Byung-Chul et Clara. On va y aller avec une Mugwang, Nora et Seme. Donc l'idée c'est de tanker le premier tour et de rebound au T2. On a du coup un Mugwang qui renaît en vieux wheel avec quasiment KP accuracy, multi à gauche à droite. Une Nora en desperso, pourquoi pas, pour le fun. Des réductions d'art à gauche, à droite j'ai mis de la speed en fonction de HP perdu. Et une Seme classique, 113, à gauche réduction vent et à droite speed en fonction de HP perdu. Donc on tanke le T1 et on rebound au T2. Donc il y a de fortes chances qu'on se fasse CC T1, c'est pas grave. Ok, on s'est pas fait CC T1, ça me va. On prend les break def, on va prendre des gros dégâts. Très gros dégâts même. Donc nous on va faire directement le skill 3, il strip, on est d'accord hein. Non c'est ce skill 2. Skill 2 ou skill 3, skill 3 il strip ou pas? Oui hein, allez go. Voilà, on met des du saut. Excellent. Bah là on va lui faire un skill 1. Et là on va faire un skill 2 pour faire, mettre des dots, hein, voilà, et puis ça va fondre au niveau des HP, on va mettre des dots, hop, des petits stuns, on va faire un skill 2 sur le Mugwang j'imagine. Et qu'est-ce qu'on va aller stun nous? On va aller stun ça, il est taunt. Non, on va aller là-dessus, tu sais quoi, mettre des dots là-dessus aussi. Il y a le destroy qui pop, du coup il y a moins de dégâts au cours du temps forcément. Hop. On va aller là-dessus. Là normalement on est pas mal hein. On a skill 2 à nouveau, hop, on a le skill 4, on va pouvoir tuer normalement le Byung-Chul, parfait, et puis il reste plus que la Giselle, OP Mugwang. Allez, offense numéro 7, on est contre une Kiara Fei Byung-Chul. On va à l'objectif cleave avec une cleave fun, Han Robot Dark et Cookie Dark. Cookie Dark est runé en Swift Focus, ascend to crit, KP Accuracy avec l'artefact de droite et à gauche multi. Un robot, un gros set Swift, KP Accuracy, multi à gauche à droite et Han Full Knocker avec à gauche dégâts sur vent et à droite crit damage skill 3. Je suis frustré par les Byung-Chul, je veux pas me faire one shot par Byung-Chul, du coup on va Art Focus Byung-Chul. Objectif cleave. Du coup, notre speed, on va pouvoir faire le skill 2 directement. Ah. Ah. Bon. Ok, ça c'est problématique. Bah du coup, pas le choix, on va devoir tuer ça. Oh non. Et là, bah, il faut bien pas se faire one shot par ce truc là. On va faire ce qu'il a là, tuer ça. Et là, ok, on a le skill 3, du coup. Il devrait prendre cher. Proc pour voir. Oh. Ok, bon, c'est fine. Allez, offense numéro 8, à nouveau contre une def Vritra, celle de Guts à nouveau. On va y aller avec un Malit Tetra et Windy. Malit qu'on a rené en Swift, en dur, sans dresse du coup. Très rapide, avec à gauche on a mis une réduction d'arc et à droite on a mis l'accuracy sur le skill 2. Une Tetra en Vio Nemesis, assez rapide aussi, hein. Avec à gauche réduction d'arc et à droite on a mis de la recovery skill 3. Et à Windy, Vio Destroy avec du multi à gauche à droite. Objectif, tuer la série d'arc en première, puis après on ira sur Ushir et on terminera par Vritra. Alors du coup on se fout de speed, pas de souci, pas de souci, pas de souci, c'est normal. Pour des bons petits dégâts, un petit peu violent, pas de souci, nous on fait skill 2, voilà. On va faire le skill 2, mettre des taunt. On va aller cleanse le break def, je pense, direct. Et on va aller commencer à taper ici. Alors on va taper là parce qu'on n'a pas le choix. Là. Et maintenant, on peut aller taper ici à gauche directement. Oh, c'est super squishy, hein. What the fuck. On rate la taunt parce qu'on est malheureusement sous glancing. Wow, pour cher là. Oh oh. Et... Wait, on prend quand même cher là. On va sustain là un petit peu là. Voilà. Hop, c'est qu'on prend plus le shield du coup. J'aurais dû garder mon skill 2 de mallette en vrai. J'ai trollé là. Et du coup, je risque de la perdre là-dessus. Wouah, ok, bon. Comme Guts en RTA. Comme Guts en RTA, Iloxac. Toujours des procs violents. Bon, bah malheureusement, là, j'ai fait un petit misplay avec le Malit. J'ai fait skill 2 quand j'avais un glancing. Et à côté de ça, on a. Bah, il y a eu trop de procs en face. Bah, on a perdu, hein. Je pense pas qu'on puisse revenir de ça, malheureusement. Je vais quand même rester au cas où, mais pour moi, ça me semble très compliqué, sachant qu'on a plus vraiment de destroy et le Shir, bah, il proc tous les tours. Le Shir pour juste tous les tours. À partir de là, je vois pas quand on gagne. Ah.
Bah il faut tuer ça, hein, mais bon. On va voir, hein. Peut-être. Je crois qu'on arrive à tuer ça très vite. Ok. Peut-être alors. Je vais pas faire la même erreur, on va juste savoir ce qu'il a. C'est reset, allez, chier normalement les reset. Mais c'est aussi une tape, normalement ça le reset CCD. Ah non, bah en fait il prend tellement qu'il a tout le temps CCD. Hein. C'est ça son problème. Aïe aïe aïe. Bah là j'ai pas envie de me prendre ouais, un break death. Hein. Je pense pas qu'on puisse gagner. On n'a pas de destroy. Si on avait du destroy, je pense qu'on pouvait le faire, mais là on n'a pas de destroy, on peut plus gagner, je pense. Pas de chance. On va voir, mais honnêtement, je crois pas. On met pas assez de dégâts avec le mallet. Donc on rate plus taunt en fait sur le Ishir. Il arrête de proc tous les tours. Ouais, c'est complexe. Hein. On va continuer à taper là quand même. Faut qu'on rate pas les taunt. Si on rate pas les taunt, en vrai de vrai, c'est fine. Il y a moyen encore. Ah bah. Bon. Je garde espoir les gars, je garde espoir. En vrai je me dis qu'il y a quand même moyen. Je crois qu'on arrive quand même bien. Oh réussir, dommage. On arrive quand même bien à réduire ses HP, tu vois. Oh non, là par contre on prend vraiment cher. Dommage qu'on n'ait pas taunt. Hein. En vrai si on arrive à taunt, je pense qu'on peut le faire, hein, vraiment. Hein. Des petits dégâts, mais après je me fais destroy. Hein. Au bout d'un moment je vais prendre trop cher aussi, il faut que je fasse attention à ça. Ok, la Tetra qui proc, ça met extrêmement bien. Ok, on a réussi le taunt là. Ok, il y a un monde là, il y a un monde. On a une fenêtre d'ouverture là. Allez, faut taunt. Non. Oh non, c'est pas de chance. Odor Shield, là, il faut se sauver. Hein. Là, on a plus d'HP là, en fait. On a plus d'HP là. Oh non, il a mis Breakdeath en plus. Et il proc violent. Et il reproc encore. Et il reproc encore. Bon, allez, arrête. Ah, on aurait dû tuer le vrai track quand on avait l'occasion. Oh, gros frère. Regarde-moi ça, c'est proc. What the fuck? C'est honteux. J'ai jamais vu ça. C'est illégal ce qui se passe là. What the fuck? Les noms de proc violent qu'il y a, c'est. C'est indécent, genre. C'est du jamais vu. C'est passé les gars, incroyable. Allez, offense numéro 9, on est contre une Maximilian, Brita et Byung-Chul. On va y aller avec une cleave, je sais pas si elle fonctionne, mais on va tenter. Sonia, Elenoa et Adriana. Moi j'ai envie de one-shot le Byung-Chul, du coup j'ai mis une Sonia avec dégâts sur vent. Je veux la tuer à l'open. Byung-Chul, je vous ai dit, c'est le mob que je déteste. Je veux le tuer le plus vite possible. Et à droite, j'ai mis tout ce qui augmente les dégâts sur son skill 2. Une Adriana super rapide en swift. Et j'ai essayé de faire une Elenoa qui suit. Voilà, très rapide en Despair Wheel, avec à gauche à droite, multit et accuracy skill 2. Objectif, cleave. Alors du coup, nos speed, ah bah c'est anti-cleave, à mon avis, tu sais quoi, ça va tanker, hein. Ça va tanker 100%. Non mais c'est... Aïe. Bon bah je vais tuer ça, mais je crois que je suis mort. Derrière, là, le maxi va me détruire. Oh, j'aurais dû tuer les autres. Peut-être que je peux le faire, mais... Ça me paraît compliqué, là. Ouais, faut que je tue ça. Le problème c'est qu'il bah, faut que je mette du Despair, du coup, du Glancing. Oh, ok. En vrai, oh non, j'ai mis ce clic. Non, en vrai c'est pas assez fine, c'est fine. Là on skill 2, on one shot, hein, n'est-il pas? Allez, one shot, on one shot. Oh oh.
Non, c'est fine. Easy, en fait, les gars. Easy. Tout était calculé. Allez, dixième dernière offense. Siri, Misty, Vigor. On va y aller avec une vraie tracking, Kirakuni. Oh, ok. En vrai, l'offense n'est pas pixel, mais vous inquiétez pas, ça va passer. Vritra en Desper Wheel, Sandred, un peu d'accuracy, multi-hit à gauche à droite. Le Rakuni, bien tanké en Vio Nemesis, réduction light, parce qu'on prendra le break dev de Vigor, du coup on veut tanker potentiellement le Misty. Recovery skill 3 à droite. Et le Kinky, le même que tout à l'heure, en Vio saut avec à gauche à droite multi. On veut tuer la série en première évidemment, puis on ira sur Misty, je pense, et on terminera par Vigor. Alors du coup, on saute speed. Très bien, parfait. Très rapide, c'est du Swift. Non, mais non, c'est un Pogvio. J'ai rien dit. Bon, on s'est fait Stun Despair, mais c'est pas grave. Pas de soucis. Il met pas le Breakdown, ça c'est insane. On va faire Skill 2, nous. Hop. On peut Stun Despair, nous aussi. Ah, par contre, on met pas de debuff là. Ah, ok, voilà. On fait Skill 2. Ouf. Ok, on va aller sur Misty. Hein. On a vu CHP là. Il est en train de se raquer tout seul. Ok, nice. Ok, bon, normalement, c'est bon, c'est good. On a plus qu'à aller sur le petit Vigor. Et c'est gagné. Bon allez, du coup on a fait un petit 10 sur 10, ça fait plaisir. Après je fais pas 8 tours, on le mérite pas trop ce 10 sur 10. Mais tu sais quoi, je le prends quand même, voilà, je vais pas me plaindre. Bon, c'est super intéressant évidemment, on a vu que les défenses étaient plutôt costauds des deux côtés, mais surtout du côté de Origin, évidemment, ils ont bien tryhard leur défense. Pour l'issue du siège, bah difficile de dire, bon je pense qu'Origin va remporter le siège. Normalement on pourrait avoir la deuxième place et Nefarious terminerait troisième à voir dans les heures à venir. J'espère en tout cas que cette petite vidéo, bah t'auras plu. Si c'est le cas, eh bien n'hésite pas à t'abonner, un petit pouce bleu, et ciao ciao les potes, c'était Tito.